Ok, salut à tous, c'est Nosok et on se retrouve pour le Piperman mode. La dernière fois, du coup, on avait fait une quête annexe, basiquement. On avait fait la caverne oubliée, enfin du prix envolé, ça s'appelle en VF et ça s'appelle Sunken Cave en anglais. Et donc, voilà, on avait battu l'ancienne invoqueuse de Lulu avec Yojimbo, qui était un combat plutôt pas mal d'ailleurs. Donc maintenant, écoutez, on va continuer le scénario, hein, y a rien d'autre à dire. Donc là, on va direct avoir quelques cinématiques. On va avoir beaucoup de cinématiques dans cet épisode, je pense. Voilà. She was résolue à mourir. Quelle tragédie. Hop, et donc nous sommes sur le mont Gagazet maintenant. Territoire des Ronso. Donc évidemment, vous vous doutez bien de qui on va croiser ici. Summoner Yuna and Guardians, leave here at once. Voilà. On n'est pas très bien accueillis. Gagazet is Ronso land, sacred mountain of Yevon. The mountain will not bear the footsteps of infidels. Enemy of Yevon? Is enemy of Ronso. Leave, traitors. I have cast aside Yevon. I follow the temple no more. Then you will die by those words. So be it. Yevon has warped the teachings and betrayed us all. Nothing but a bunch of low-down tricksters, eh? Ça voit quelqu'un en faveur les yeux. We have no regrets. Blasphemers! A summoner and her guardians. Lord Kel'Gronso, if I may. Have you not also turned your back on Bavel? But still, you guard Gagazet as a Ronso, not a maester. Yuna is much the same. Elder Kelk, let Biron rend them asunder. No escape, not one. No, we will not flee. We will fight and continue on. You have been branded a traitor, but still you would fight sin. Lost to the temple, hated by the people, yet you continue your pilgrimage? Everything lost. What do you fight for? I fight for Spira. The people long for the calm. I can give it to them. It's all I can give. Defeating sin, ending pain. This I can do. Even sacrificing yourself. Ronso, let them pass. Summoner Yuna. Your will is stronger than steel.
tempered steel that even the mightiest Ronso could not hope to bend. Yuna, we bow to your will. Now go. The sacred heights of Gagazet welcome you. We thank you. Voilà, une scène touchante. Alors, je sais plus s'il y a déjà le magasin qui vient. Est-ce qu'il y a un mec qui vend des objets, bien sûr. Ok. Là, si on veut, on peut parler à tout le monde. Je vais pas m'embêter. La sauvegarde que je veux garder, elle est dans la deuxième. Dans le deuxième slot. Alors. Summoner Yuna's words. They ring clear in my soul. Small voice, small frame, but a will that towers over Gagazet's peak. Ah. Ok, bon. Du coup, on va avancer. Je crois qu'il n'y a pas encore de magasin à ce stade. Et on va avoir un combat avec Kimari. Haven't you bothered us enough? Summoner may pass. Guardians may pass. Kimari not pass. Kimari shame, Ronso brothers. Kimari forget his birth. Forget his people, forget his mountain, little Ronso, weakling Ronso. Mountain hate the weak, hate the small. If you will climb, then I must prove my strength. Think you will win? You not forget who took your horn. Never forget! Kimari never beat Brother Biran! Never win! This time, I win. I will win. Why, you... This some kind of Ronso thing? Kimari problem. Kimari problem. Allez, c'est parti. Biran rend you asunder. Hornless, hornless. Bon, je veux le dire, cette musique est vraiment stylée, surtout pour ce combat. Alors. Ok. Alors, dans la version de base, il s'adapte selon les stats de Kimari. C'est d'ailleurs pour ça que même en NSG, ils sont pas super durs. Et je pense que heureusement qu'il y a ça, parce que vu que le nombre de gens qui n'utilisent pas Kimari, je pense que les gens auraient bien ragé s'ils s'adaptaient pas au stade de Kimari. Alors, du coup. Ok. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir de différence pour l'instant. On va se faire 5 shears, hein. J'ai les shears, autant en profiter. Je pense que du coup ce combat serait très différent si t'as pris le chemin du Lulu. Contrairement au chemin de. De Tidus. Alors de mémoire, Biran est celui qui tape fort physiquement. Et Yenke est plus orienté magie. Potion. On va essayer une potion. Alors, le gimmick de ce fight, c'est qu'il faut essayer de les attraper quand ils sont séparés. Parce que s'ils sont l'un à côté de l'autre, ils se protègent mutuellement. Alors, de mémoire, celui qui a le moins de vie, c'est Yenke. Donc, on va essayer de se débarrasser de lui d'abord. Oh, il contre-attaque.
Par contre, je crois que si on fait ça... Voilà, si on fait ça, par contre, il peut pas protéger habituellement. Oh, déjà ? Vraiment ? De elle ? Prendre de risque. Déjà ? Putain, il a même pas eu le temps de lancer Mistral. Ça me fait chier par contre, je voulais apprendre Mistral. Je pensais honnêtement pas que ça le tuerait. Honnêtement, je pensais pas que je le tuerais aussi vite. D'ailleurs, du coup... Non, j'ai rien à apprendre de lui, du coup. On peut apprendre quelques... techniques. Je pense que du coup un Magic Bead ne prendra pas tous ses contres, ce qui peut à remettre en faveur. Ok, c'était pathétique. C'était absolument pathétique. Ouais, ouais, je sais pas ce que Spider-Man a modifié, mais c'était absolument pathétique. Return Sphere, c'est pas mal ça. C'était un vrai pugilat là. C'était une punition. Sacred Mount Gagazet. I honor the name. Remember always, Gagazet. That name is Kimari. Mountain knows Kimari strong. Kimari may pass. Summoner! We, Ronso, will stop pursuers from temple. Truly? Penance for breaking Kimari's horn long ago. We crush enemies following behind. Kimari crush enemies standing before. You are most fortunate, summoner. I thank you. Ronso will shine your statue brightest. Thank you. But I fear that no one will make a statue for a traitor such as I am. Then Ronso will make. With grand horn on head. That would be wonderful. Natty. I wanted to see you. With. Je sais plus si on peut revenir en arrière pour sauvegarder, par contre. Évidemment, on va aller regarder les cinématiques parce qu'il y a encore des cinématiques. Ah, si, on peut les sauvegarder, voilà. Enfin, je vais les sauvegarder vite fait. D'accord, et maintenant on peut plus jouer au Blitzball, ok. Voilà, bon, c'était vraiment un pugilat. Je m'attendais à beaucoup mieux, honnêtement. Par contre, le fait qu'ils aient donné les sœurs retour, c'est pas mal. Enfin, dans la version de base, si tu as volé avec Kimari, tu peux leur voler des CRP de level 3. Et si tu as la compétence Lupin, tu peux leur voler tous les sphères clés de level 3 que tu as besoin pour tout le jeu. Malheureusement, ce n'est évidemment pas possible dans cette version. Bon, voilà. Rien, j'ai pas parcouru tant de trucs que ça avec Kimari. Hein. J'ai l'impression. Bon, c'est juste... Ouais. Ouais, allez, on avance. La même chose, quoi. Ok. Il me semble que c'est lui qui vend des objets après, mais.
pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, on a encore des cinématiques. J'ai poussé à des coffres dans le coin. Non. Il y a une sphère par contre à les récupérer. Évidemment. Ça, c'est limite l'île nationale de Spira, ça. Ok, allons-y. Déjà, si je me souviens bien... C'est ici, là, il y a un coffre. Bon, alors, les premiers combats. Contre les machines, évidemment. Garde, sentinelle... Ah, attends, du coup, ça se passe comment, là? Parce que... Ils ont tous les trois gardes ou sentinelles. What the fuck. Je fais slow. Ok, le petit est immunisé à slow. D'accord. Je pense que du coup le mieux ça va être d'utiliser de la magie. Let's end this. Avec 4 points de l'arbre. Ils sont pas immunisés. D'accord. Power break marche. Commence à attaquer les autres. Ah, c'est vrai, il y en a un qui va produire forcément. Du coup, si je fais ça. C'est vrai qu'on a jamais lancé cet overdrive en fait. Ok. Ah, on peut pas changer d'arme et d'armure contre eux. Merde. On va pas non plus utiliser tous les MP de Jenna pour de Lulu pour ça. Nice crit. Je vais qu'on va même pas bouger. Star Grenade, Phoenix Down. High Potion, ok.
Ah d'accord, donc du coup vu que je peux pas modifier les armes contre les machines, je pense que la capture de monstre je vais m'en occuper plus tard. Parce que sinon ça va être compliqué. Alors, on va avancer. Je pensais à quelque chose par ici. Non. Ok, alors la première chose à faire. Il n'y a que le dragon qui est pas immunisé. Résistant à tout, résistant à tout, résistant à tout. On va faire. Ah, c'est vrai, il a sentinelle, cet enfoiré. Ouais, ces machines vont être vraiment casse-couilles en fait. De taré. Ok, bon. Ok, bon, on n'est pas dans la merde. Bon, ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, bah, je vous rejoins. Ok, bon, donc apparemment Gagazette ça va être chaud. Donc je pense que déjà tout ce qui est combat avec machine, je vais pas m'emmerder, je vais les éviter. Alors vous pouvez parler à ces tombes pour avoir des cinématiques supplémentaires. On va pas le faire, ça sert à rien. Voilà, typiquement ce combat là. Ce combat là. Au revoir, ça sert à rien. Vraiment c'est juste pour vous faire perdre des MP ça. Les combats de machines, je vais les éviter parce que les combats de machines, c'est juste pour vous faire perdre des MP et rien d'autre. Bon, par contre, si tu pouvais arrêter de me mettre des embuscades, ce serait pas mal. Non, tout ce qui... on l'a déjà vu, tout ce qui est combat avec embuscades dans ce mode, c'est mort. C'est mort. Je fais pas de combat en embuscade dans ce mode, c'est un... C'est à quoi demander le game over. Ah non mais tout ce qui est combat de machines, je vais pas les faire. Hein. C'est vraiment n'importe quoi les machines. Là je crois qu'il y a un truc. Ouais, il y a une sphère. Ouais, donc ça c'est pour avoir les overdrive de Oron. Hello you. Passer sa vie, tu vas se coucher. Prends un peu. Oh, Jack, so, of course, it is the unit to toward the refuel, whatever unit. Ok. Un jeu préquel sur l'histoire de Braska et Oron et Jack, ça aurait été pas mal. Ok, alors des nouveaux combats. On peut les gagner cette fois. Déjà ils sont tous vulnérables à lenteur, ça c'est une bonne chose. Alors. Est-ce que je fais un truc qui pourrait m'aider? Smoke. A tout hasard. Ah, silence marche. Sur tous en plus. Je sais pas.
pas de d'armes de glace avec Oron. Peut-être que je m'en passe une. Oh mon dieu, cette défense! Ouais, bah je crois que eux, pour les battre sans les faire exploser, bon courage. Alors vraiment quoi. Et ça marche. Enfin, ils sont pas immunisés. Après, est-ce que ça marche pour de vrai? J'en sais rien. Combien de PV lui reste? Bien sûr, Armor Break a pas marché. Non. Ouais, eux je crois qu'ils vont s'auto-caser, ils vont se kamikazer parce que je vois pas comment faire. Je vois pas comment tu peux les buter avant en fait. Eux ils ont toujours une esquive de malade. Allez. Ouais, ouais. Voilà. Oh, sérieusement, il lui reste rien. Même un simple Water Rat, ça va le tuer. Voilà. Alors, évidemment, du coup, les bombes rapportent à rien. Donc, je vois pas comment on peut l'éviter, honnêtement. À moins de leur infliger pétrification, parce qu'ils sont généralement pétrification à la version de base. Mais... ça m'étonnerait sincèrement qu'ils soient encore vulnérables à pétrification ici. Alors. Putain, le taux de rencontre aléatoire ici. Ouais, alors on a dit tout ce qui est avec machine, on oublie. Tout ce qui a des machines, c'est pas la peine. Remarque, celle-là j'aurais peut-être pu faire. Il suffit juste de buter la petite avec la machine avec des poules. Par contre, celui-là, typiquement, c'est mort. Celui-là, typiquement, c'est pas la peine.
c'est quoi. Ouah. Voilà qui m'arrange. Du coup, j'aurais peut-être dû en farmer dans la... dans la caverne. Parce que sinon, s'il monte à break... Mental Break, on lui fait combien? Ok, on peut le buter. Il va faut juste un tour avec lui. Ah oh, il a Berserk. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis con. Qu'est-ce que... Oula oh, oh, oh. Ok, vous n'avez rien vu. C'était n'importe quoi, ça. C'était quoi, ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Voilà. C'était vraiment n'importe quoi, ça. Alors... je sais pas pourquoi j'ai fait un Izuna là. T'es stupide. Defending Brasseur. Brasseur c'est pour Oron si je me souviens bien. Stone Proof, Poison Proof. Ouais, vas-y. C'est toujours bon à prendre. Voilà, on va pas s'emmerder. Ah non, c'est vrai, Power Break ça marche pas sur eux. Par contre, Sleep marche, donc je vais faire amener Waka. Et oui, du coup, j'ai fait un combat comme ça off-screen pour tester un peu si je pouvais quand même battre des mobs. Et oui, je peux en battre certains. Soul Spring. Comment tu peux rater ça, sérieusement? Comment? Let's end this. En tout hasard. Ok, ça marche. Et c'est pas mauvais en plus comme dégâts. Poison c'est bien. No time to waste. Let's go. Poison c'est bien, je note. Ah je vais te faire un Geryuna, merde. Sérum brasseur, ça fait poison. J'arrête pas d'avoir des trucs pour Poison Ward, ok. Ah j'aurais farmé plus de grenades pétrifiantes par contre. Pour les fleurs, ça va être pratique. Enfin, le taux de rencontre aléatoire, par contre. Bon, ça, j'ai dit, on dégage. J'ai vraiment pas envie de m'emmerder avec ces monstres. Descends.
Alors, tout de suite. Merde, je suis con, j'ai absorbé. Ah, tiens, c'est une bonne idée en fait. Découverte accidentelle. Si tu fais ça, il gonfle pas. Mais tu peux quand même leur infliger mental break. Découverte accidentelle. Ah merde, ça a pas marché. Ah, la découverte accidentelle, quoi. Découverte accidentelle, quoi. J'ai commencé à manquer d'MP par contre. Avec lui. J'arrête pas d'avoir des trucs pour rond, c'est dingue. Piercing, poison touch, ok. Des sphériers. Ok. Je vous avoue que j'ai un peu peur pour la suite parce que le boss qui arrive par la suite est dans la version de base le boss officiel du jeu. Donc, encore ? Ouais, non, par contre, en embuscade. Fuck. Embuscade, fuck. Vraiment. Ah. Je crois qu'il était un peu plus loin, mais là il est. Là. Alors lui, c'est le frère de Waka, je sais pas combien. Voilà, c'est lui. No, but I then. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent? Damn, j'aurais l'argent, j'aurais clairement acheté ça. Vraiment, j'aurais acheté ça si j'avais eu la thune. Sleep touch, silence touch, dark touch, ouais. Initiative, ouais. Ouais, vraiment, il y a que ça, mais alors ça coûte une blinde, putain. Zombie Ward. Ouais, je vais plutôt lui acheter des... Ouais, je pense que je lui achèterai plutôt des objets, hein. Non, j'aurais eu l'argent, vraiment, je lui aurais acheté le cactus, là. Welcome. Alors du coup, on va refaire notre stock. Ça coûte cher. Ça. Ça, on va s'en prendre parce que les boss qui arrivent utilisent beaucoup cette altération. L'altération zombie. Et ils vendent toujours pas de remède. Ça, c'est emmerdant. Quoi. On va ça. Voilà, on va s'acheter des objets de soins principalement. Ok. On avance, on va tenter comme ça. Hein. De toute façon, vraiment, si j'y arrive pas au prochain boss, on fera du grind, hein, que voulez-vous.
Ouais, là par contre ça va être un peu compliqué. En fait, ouais, non, là, je commence à être trop faible en MP. Donc là... ces combats-là deviennent compliqués, là. Ceux-là je peux encore les faire, celui-là je peux encore le faire. Mais évidemment. Combien on parie que la Petrify Grenade va rater? Ok, j'ai été mauvaise langue. Voilà. Ouais, ce combat-là est plus facile, honnêtement. Ce qui en dit long. Ok. Alors, le coq, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? HP sphère. Level 4. Encore une level 4. Ah, on sait tous ce que je veux, moi. Non, vraiment, le. Les level 3, elles arrivent quand? Sérieusement. Quoique, okay, attends, avec une level 4. Attends, attends. Level 3, level 3. Peut-être que je peux pas aller sur le sphérier d'Auron. J'aurais adoré pouvoir faire ça, mais aucune sphère de level 3 jusqu'à maintenant, quoi. C'est... En fait, qu'est-ce que je peux faire avec une sphère de level 4? Là, ça bloque une sphère force de 4 points, ouais... De toute façon, au bout d'un moment, il va falloir clean toutes les sphères de level 4, hein, ça c'est évident. De level 3. Normalement, il va falloir le clean les sœurs de level 4, ça c'est certain. Là, il y en a une qui débloque Ejector Shot. D'ailleurs, on va bientôt y être. Level 1, 2. Ah, limite, je vais peut-être aller chercher ça. Je sais pas ce que c'est une nouvelle compétence. Je vais peut-être aller chercher ça pour au moins après. Ok. Vu que j'ai une HP sphère, ouais. Vu que c'est Lulu qui a le moins d'HP pour l'instant. Ça coule de source. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et je serais tenté de donner la MP sphère à Tidus. Vu que j'utilise pas mal Sloga en fait pour les mobs, donc. Donner plus d'MP, ça me convient, voilà. Voilà. Ok, alors. Même si là, je crois qu'à ce stade, je crois qu'on va devoir faire tous les combats parce que. On est un peu trop en mal en point là.
évidemment. Ça a raté sur une des deux. So be it. Ok, ça me va. Deux fois de suite. Évidemment. Faire qui m'arrive. Farewell. Voilà. That's how it's done. Ouais. Ok. Astotarge, c'est quoi? Bon, en plus ça servait à rien de l'acheter. Comme ça. Ça c'est réglé. Ouais, je crois qu'à partir de maintenant, je vais fuir les combats parce que... on est trop limité là. J'ai plus rien, que ce soit niveau MP. Même objet, je vais commencer à être un peu mal en point, ça continue. Donc ouais, je vais fuir les combats qui restent, parce que sinon on n'a pas fini. Le taux de rencontre aléatoire, sérieux. Et en plus, on n'est pas loin de la serre de sauvegarde. Alors. Alors là-bas, je crois qu'il y a un coffre. Vide. Ça sert à rien. On va accélérer ça parce que je veux juste atteindre la salle de sauvegarde maintenant. Parce que là, j'ai vraiment plus assez de ressources. God damn, ce taux de rencontre aléatoire! Ok. Bon, alors, vu le reste du mode jusqu'à maintenant, et vu que je pense que tout le monde sait quel boss nous attend par la suite, je pense que le prochain épisode, je vais le dédier entièrement à ce boss, et on va s'arrêter là pour cet épisode-là. Voilà, pour ce, j'arrête là. Et au prochain épisode, on tentera le boss le plus célèbre de ce jeu. Du moins pour le scénario. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!